Le personnel, s'occupait quand même, mais c'était les femmes du. Les femmes, vous savez, dans les couples mariés, les femmes n'étaient pas argent, cela. Hein, parce que les femmes, à part la cantine où elles allaient faire les emplettes le matin, où elles se retrouvaient, elles ne pouvaient pas porter entre elles, mais l'après-midi, certaines se recevaient, vous savez, hein, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien n'était fait pour les. Elles étaient livrées à elles-mêmes. On discutait simplement autour du verre de punch. Ça papotait, évidemment. Bon, mais vous savez. Les soirées autour du verre de punch. Le soir, on se retrouve. Mais alors là, quand j'y étais, là, il y avait deux factions parmi ces surveillants. Là. Il y avait celle du chef de camp et celle de l'anti-chef de camp. Ce qui fait que quand on dansait, parce que le dimanche, il y avait bal. Alors le bal, c'était un orchestre de relégués. Et les relégués avaient. Il n'avait pas d'instrument de musique. Et aucun n'était musicien. Mais avec des bambous et du papier fer, vous savez, là, ils se faisaient des mérites. Alors ils étaient avec les airs à la mode, et on dansait, on laissait les revolvers. Le revolver, il y avait un surveillant à l'entrée du bal, là, et on laissait les ceintures, on dansait comme ça, enfin, bon. Et alors, il fallait faire attention quand on l'avait invité. On a invité une fille, la fille d'un surveillant ou la femme d'un surveillant, mais de son clan. Sinon, oui. Et oui, c'était comme ça. Bon, moi, à l'époque, j'avais quel âge? J'avais 27 ans. Quelle chanson alors?